Tout comme le projet Odyssée soutient, promeut et travaille pour le développement et la transformation du territoire. Nous, c'est par la voie artistique et le spectacle vivant en particulier. Voilà, c'était naturel que nous soyons là aujourd'hui, enfin ce week-end. Nous défendons en quelque sorte les mêmes valeurs parce qu'il y avait aussi une partie artistique et spectaculaire qui était tout à fait en accord avec ce que nous faisons chaque année, tout le temps en fait. Bah, il était normal de se retrouver, d'être impliqué pour aussi, aussi pour nous montrer que Culture Commune participe avec toutes les autres structures qui se sont associées dans ce projet à la transformation du territoire. Cet événement permet de valoriser la transformation du bassin minier autour des trois communautés d'agglomération qui vont de Béthune-Bruay, Lens-Liévin à Hénin-Carvin et le tout dans un esprit festif et convivial. Alors l'association Porte Mine, l'idée c'est de pouvoir valoriser à la fois le territoire mais aussi ce qu'on appelle les énergies positives du territoire, c'est-à-dire les gens qui font et qui vivent le territoire. Et donc forcément, quand il y a un événement festif qui permet à la fois d'échanger, de se rencontrer, de jouer et d'imaginer encore tout ce qu'on pourrait faire ensemble, et ben on répond présent et c'est aussi pour quoi on a ici mené une carte blanche aujourd'hui. De quelle ville venez-vous? Arles-en-Goël. De Haine. De région parisienne. Et moi de Béthune. Êtes-vous content de voir ce genre d'événement dans le bassin minier? Oui, je suis contente. C'est une occasion de sortir en famille et de montrer aux enfants les lieux du patrimoine du secteur minier. Oui, moi je suis très contente de voir que ça vit et j'ai amené mon ami ici, donc je suis contente de lui montrer que ça bouge ici. Oui, c'est pas une ville morte, ça vit, c'est bien. Et selon vous, qu'est-ce que ça apporte pour la région? Qu'il y ait des choses à faire, qu'il y ait une vraie attractivité, et puis même de rassembler les gens, d'être dans le vivre ensemble. C'est une autre façon de voir les sites miniers, de leur redonner vie, et puis de les ancrer dans le contemporain. Thank you.